Gaston! Gaston de Franquin. Les enfants, le Gaston. Le Gaston, c'est bon pour toute saison. Hiver, printemps, été. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt nous intéresser à l'automne. Oui, vous savez, la saison des feuilles mortes, mais aussi celle des marrons et autres châtaignes. Je ne sais pas ce qui me retient. Retiens dessus. Ah, ne m'en parlez pas. Quel temps épouvantable. Ah oui, un vrai temps de canard. Temps de chien. Temps de cochon, oui. Vache de vacherie, de vacherie de temps. T'as vu ce temps? Un temps à escargot. Et encore, faut pas qu'il soit fouilleux, mon vieux. Oh, prunelle! Oh, mon vieux! Quelle journée magnifique! Magnifique pour le progrès! Enfin! Regarde, admire! Regarde, admire! Problème acclimatation? Solution Gaston! L'homme découvre qu'il peut enfin emporter avec lui le climat de son choix. Fini les pulls. Basta, chaussettes. Adios, bonnet stupide. Le mauvais temps a fait son temps, mon vieux. Oh, tutu, Gaston, qu'est-ce que... Victoire sur l'hiver. Il y a plus de saison, mais des réglages. Exemple, je tourne ce bouton sur été. Oh, pinon, zou, canicule. Et zou, je vis en slip de bain jusqu'au matin. Ah oui, c'était juste ça l'idée. Aïe, oh oui, un pic, brûle, aïe, aïe. Oh. Plaisanté, réveiller un honnête pharmacien en pleine nuit pour qu'il soigne votre coup de soleil en cette saison. Bien, bien, bien. Il est là dans 10 minutes. Bien, bien, bien. Sa boisson préférée est bien, bien, bien. Les petits amuse-gueules qui vont bien, bien, bien. Bien. Tout est prêt. Je suis prêt. Et surtout, surtout, j'ai réussi à me débarrasser du Gaston, de son chameau de chat et de sa mouette céréale rieuse. Ok, opération de Messmaker. Ok. Zou, signature des contrats. Zou. Zou, la bonne augmentation. Rentre dessous. Il est marrant, des fois, Prunelle, non? Il nous réveille juste avant la sieste, juste pour nous dire « Assez travaillé pour aujourd'hui, c'est congé, zou !» Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je me débarrasse de ces contrats et de cette bande d'hurluberlus par la même occasion. Crac, signature. Crac, paraf à toutes les feuilles. L'automne, j'aime bien, moi, les feuilles qui jouent à faire des rondes dans le vent. Hi-hi-hi-hi. Plaît-il ? Mais qu'est-ce à dire ? Le plus débile de ces foutriquets faisant l'idiot avec des feuilles à l'heure où il devrait être au bureau à gagner de toutes ses forces le bon argent de son patron bien-aimé. Oh, et allez ! Que ce ne sont pas toujours les mêmes qui s'amusent ! Les feuilles mortes ! La 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 la. Ah, l'automne, les feuilles qui tombent, un peu triste, mais beau. Tiens, celle-ci, jaune pâle avec juste un rien de vert. Cette gamme de couleurs, terrible. Là, une dorée à taches rousses. Bonjour, joli petit acajou. Oh, et toi? Waouh, franchement rouge. Pardon. Magnifique, vous êtes magnifique. Je vais vous mettre au chaud, moi, soigneusement, dans mon herbier. Voilà, mes belles, confortables, bien tranquilles. Enfin, propriété municipale, si vous le voulez, faudra introduire une demande. Bah oui, il me faut beaucoup de ficelles, un max de ficelles. Cerf-volant spécial et fabrication maison et innovation Gaston. Cette merveille de technologie aérienne monte, mais monte haut, très haut, stratosphériquement haut. Oula ! Ah ouais ? Attends, je vais chercher celui que j'ai fait pour mon petit frère cet été. On va voir lequel monte le plus haut. Le braque, mon pauvre.
Dis, c'est vrai qu'il est bien haut, hein, le sien. Rien à faire. Celui de Lagaffe est vraiment plus haut. J'appelle tonton Simon. Lui, il construit des cerfs-volants scientifiques. Tu seras gentil. Prends l'anémomètre et donne-moi la vitesse du vent. Il monte, oui. Oh, oh. Ah non, il tombe. Oh là. Je vous envoie mon voisin l'ingénieur. Il en a inventé un, gonflé à l'hélium. Oh, ça c'est champion. Non, Gaston est toujours le plus haut. Et de loin. Ok, j'abandonne. Gaston champion. Ils sont tous partis dégoûtés, humiliés, écœurés. La technique Lagaffe, c'est quelque chose. Une technique dans le vent. Waouh ! Oui, ça va. Doucement. Tu peux lâcher la baguette maintenant. On les a bien eus. Si j'ai un permis de chasse, moi ? Ah non ! Ah non, non, non ! Et pourquoi faire, hein ? Pourquoi faire ? Quoi ? Ah, ceci ! Oh non, 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 non ! Ce n'est pas un horrible, stupide fusil ! Engin de ma fabrication, invention Gaston. Ah, ah, attendez ! Je vais pouvoir vous faire une démonstration. Voyez les lapins, là-bas ? Oui, des carottes. Juste des bonnes carottes. Il s'agit qu'ils prennent des forces à la période de la chasse, les petits chéris. Et puis, les carottes, excellent pour la vue. Ils verront venir les vilains chasseurs de loin. Et tout ça, c'est signé Franquin, le dessinateur franc-tireur. Mon vin.